Merci. Bien, mes chers amis, monsieur le maire également, je suis très heureux d'être à Fréjus parce que c'est vrai que David, je le connais depuis pas mal d'années maintenant. On m'a dit qu'on était des bébés Le Pen, donc c'est vrai qu'on se connaît depuis pas mal d'années, on a travaillé ensemble aussi et c'est toujours émouvant de voir que un de nos amis a réussi à gagner une grande ville comme Fréjus. Parce que c'est difficile, c'est un combat bien sûr qu'il a fallu mener depuis des années, comme Steve d'ailleurs à Hénin-Beaumont, et justement de ça on va en parler, on va parler de l'implantation locale. Intervenant et chargé de cours à la Sorbonne, il est aujourd'hui conseiller économique de Marine Le Pen, également spécialiste de la question de la transition énergétique. Merci d'accueillir Philippe Müller. C'est vrai que bon, ça devenait. Bon, la bourse, elle est pas, c'est pas mauvais pour l'économie, ça dépend comment elle est faite. Elle existe depuis 500 ans, là à l'heure actuelle, c'est n'importe quoi. Ouais. À l'image de du monde, c'est-à-dire multipolaire avec plusieurs devises de Chacun peut agir et chacun doit agir. Lycéens, lycéennes, je m'adresse à vous pour rejoindre le camp des patriotes, pour libérer votre parole et dire que vous voulez espérer dans l'école car vous espérez en la France. Rejoignez-nous au collectif Racines Lycée, car l'espoir, la France de demain, c'est vous. Donc je vais laisser place au collectif des étudiants patriotes, le collectif Marianne. J'aimerais faire le constat aujourd'hui de la situation de la jeunesse en France et notamment de la situation des étudiants. On a fait le constat d'une jeunesse, les médias font souvent le constat d'une jeunesse désenchantée, mise de côté, qui ne doit pas participer à la vie de la cité, et force est de constater qu'aujourd'hui, l'ascenseur social est en panne. Si on veut augmenter, si on veut développer une carrière professionnelle, ou si on veut vivre mieux que ses parents aujourd'hui, c'est extrêmement difficile parce qu'on ne donne plus les moyens aux jeunes de permettre de faire cette ascension. Si vous voulez vous-même nous rejoindre pour nous apporter votre expérience en tant qu'étudiant dans l'enseignement supérieur, que vous soyez à l'université, en classe prépa, en grandes écoles, en BTS, en IUT, peu importe, toutes les expériences sont précieuses. Et je suis très, très heureux que le Rassemblement Bleu Marine et que Marine Le Pen nous ait donné notre chance au sein du Rassemblement Bleu Marine pour justement fédérer ces étudiants. Donc c'est à vous maintenant de faire le nécessaire. Nous n'attendons plus que vous. Merci beaucoup. Et sans doute le faux rebelle, je ne sais pas pour ceux qui le connaissent, le faux rebelle Félix Marquard, fondateur des Dîners de l'Atlantique et mondialiste totalement décomplexé. Il déclarait notamment dans sa tribune, publiée dans Libération et intitulée « Jeunes de France, votre salut est ailleurs, barrez-vous ». Je cite une phrase de Félix Marquard, ô combien révélatrice. « Jeunes de France, ceci n'est pas une incitation à l'évasion fiscale, pire ». Ceci est une incitation à l'évasion tout court. Eh bien, nous répondons à Félix Marquard, jeune de France, battez-vous ! Le redressement de cette indépendance sur le plan international, d'une politique qui n'est pas une politique fondée sur l'idéologie, parce que nous avons, je l'ai dit, un ennemi qui est le fondamentalisme islamique, et en dehors de cet ennemi, nous avons des rivaux.
des compétiteurs. On ne voit pas d'autres ennemis. Les États-Unis sont un rival du point de vue des intérêts. On ne le définit pas non plus. Le projet du Front National n'est pas d'engager une guerre avec les États-Unis. Il faut le pouvoir. Nous avons une relation. Nous voulons remettre les États-Unis dans leurs limites et les renvoyer en quelque sorte dans leur but. Nous voulons restaurer notre indépendance, mais le but n'est pas de faire la guerre aux États-Unis. Et de toute façon, les États-Unis, à mon avis, leur principal problème, il est intérieur, et comme beaucoup d'empires, en quelque sorte, ils s'effondreront sur leurs problèmes intérieurs. De la droite libérale, bourgeoise, vieillotte et pourtant remplie de jeunes qui ne traduisaient alors leurs rêves qu'en dollars américains et qu'en mondialisation soi-disant heureuse. En vérité, cependant, la voie qui était surtout tracée pour elle, pour cette jeunesse, était la voie apolitique.